bilan du coronavirus a encore évolué. 117 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 135 guérisons ont été enregistrées ces dernières 24 heures. Par ailleurs, 12 décès sont à déplorer, selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus. Jamal Fourard, je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, jeudi 18 juin 2020, nous allons vous présenter un point de situation de l'épidémie du Covid-19 en Algérie depuis le début à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 117 nouveaux cas, 135 patients guéris, 54 patients en soins intensifs et 12 décès. Avec l'enregistrement des 117 nouveaux cas, le total cumulé des cas depuis le début à ce jour est de 11 385 cas, soit une incidence de 26 cas pour 100 000 habitants. Et nous voyons qu'au cours des 24 dernières heures, 14 wilayas n'ont pas enregistré de nouveaux cas. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement encore enregistré 12 nouveaux décès, ce qui porte le total des décès à 811. 75% des patients décédés sont âgés de 60 ans et plus. Et tous les 12 décès des 24 dernières heures ont une maladie chronique, soit une maladie chronique isolée ou bien associée à deux pathologies associées. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers depuis le début de l'épidémie à ce jour, le nombre est de 8078, dont 135 patients ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients qui ont bénéficié du traitement selon le protocole thérapeutique, le total est de 24 184 patients. Et pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 54 patients en soins intensifs. Et nous rappelons toujours les messages importants, c'est le strict respect des règles de prévention, notamment la distanciation sociale, le confinement à domicile et surtout comme mesure essentielle pour protéger la société contre la propagation du Covid-19, le port obligatoire du masque de protection. Merci de votre attention.